Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'un glitch qui est vraiment énorme et qui devrait vous plaire et qui va vous rapporter énormément d'argent et énormément d'RP. Donc certes vous n'allez pas gagner autant que de vendre une adder full custom, c'est à dire 750 000, mais vous allez quand même pouvoir vous faire à peu près 30 000 $ toutes les 5 à 10 minutes, ce qui est plutôt pas mal. En même temps vous allez gagner à peu près 4 000 RP. Donc le but de ce glitch est tout simplement d'importer n'importe quel véhicule de Pegasus dans une épreuve de survie. Donc le mieux étant d'importer un tank, mais après si vous voulez apporter un busard ou un bus, hein, vous faites vraiment ce que vous voulez. Mais franchement vous importez un tank et vous n'aurez vraiment aucun problème pour tuer tous les ennemis, et au moins vous êtes sûr de gagner jusqu'à 30 000 $ très très facilement. Donc malheureusement j'ai pas trouvé de méthode pour faire ça en solo, je vais essayer de trouver ça. Mais bon, sachez que c'est assez dur, vous allez comprendre après avec la manipulation. Donc si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser ce glitch, je vous invite à me rejoindre sur mon groupe Facebook, poster un petit statut, et des personnes se feront peut-être un plaisir de faire ce petit glitch avec vous, sachant que toutes les personnes qui seront dans l'épreuve de survie gagneront exactement la même somme et le même nombre d'RP. Donc c'est vraiment très avantageux pour les 4 personnes qui seront dans le mode survie. Donc pour réaliser ce glitch, tout d'abord vous allez vous rendre dans Start, vous allez aller dans Liste et vous allez aller sur Créer une liste. Donc vous créez une liste et là vous allez aller dans Mission. Vous allez aller dans Mission ou alors vous faites un affrontement, mais le mieux franchement c'est Mission. Et vous allez chercher une mission qui s'appelle, il faut que je la retrouve, la mission elle s'appelait Moteur Hurlant. Voilà, vous prenez la mission qui s'appelle Moteur Hurlant qui se trouve ici. Moi c'est celle que je fais, elle est beaucoup mieux. Après c'est à vous de voir. Donc vous la mettez dans votre liste, donc elle a été ajoutée à droite, vous la voyez bien. Et après vous allez aller dans épreuve de survie et vous allez rajouter la survie de votre choix. Personnellement je vous conseille survie bancaire, étant donné qu'elle est beaucoup plus proche et ce sera beaucoup plus rapide. Donc vous mettez survie bancaire pas mal de fois. Vous mettez survie bancaire par exemple, comme je viens de le mettre 4 fois, vous le mettez 4 fois. Après vous remettez encore une couche de moteur hurlant et après vous remettez encore survie bancaire. Mais nous on va s'arrêter jusque là et vous allez voir que c'est vraiment très très simple. Donc vous sauvegardez votre liste. Voilà, on va l'appeler, comment on va l'appeler, test vidéo, test YouTube, voilà. Hop, voilà, test YouTube. Vous sauvegardez votre liste avec le prénom, avec le nom que vous voulez, le prénom, le nom. Après vous allez dans mes listes et vous faites et vous lancez la liste que vous venez de créer. Donc la liste qui est là, je viens de me rendre compte que j'avais créé 2 fois la même liste. Ok, d'accord. Donc vous lancez la liste et vous vérifiez bien que c'est la liste avec survie bancaire et moteur hurlant. Vous la lancez et après vous invitez 4 de vos amis. Donc moi je vais inviter Juni, Noxy et Avenger, je leur fais une grosse dédicace. Je vais inviter, on va voir qui c'est qui va rejoindre en premier. Donc vous allez dans l'activité. Voilà, une fois que vous êtes dans l'activité, vous invitez tous vos amis, vous invitez 3 personnes. Donc comme je l'ai dit, si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser ce petit glitch qui est vraiment super simple, je vous invite à me rejoindre sur mon groupe Facebook. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Twitter, on vient de passer le cap des 3000 followers. C'est super, voilà, le cap des 7000 membres sur le groupe Facebook aussi. C'est juste énormissime, un grand grand merci à vous. Donc vous ne touchez pas aux paramètres, hein, vous les laissez tels qu'ils sont, de toute manière on s'en fout littéralement. Par contre il faut impérativement avoir acheté le tank chez Pegasus pour réaliser ce glitch, sinon ça ne fonctionnera pas, sinon vous ne pourrez pas l'avoir. Alors une fois que vous êtes que vos amis ont rejoint, donc vous allez la lancer. Donc, on va attendre qu'ils finissent de rejoindre. Voilà, Avenger toujours le dernier, bravo, félicitations Avenger. Avenger, bien joué. Donc vous lancez l'activité une fois qu'ils sont là. Et après, une fois que vous êtes dans l'activité, vous allez tout simplement appeler Pegasus et aller chercher votre tank et l'amener à l'endroit de survie. Étant donné que ça va être à peu près et assez long, je vais faire une petite coupure et on va se retrouver tout de suite après quand j'aurai tout simplement mis le tank à l'endroit où il faut pour que, pour qu'il puisse apparaître dans l'épreuve de survie. On se retrouve juste après.
Donc une fois que vous avez vos tanks qui ont été livrés par Pegasus, vous allez tout simplement les ramener au début de la survie. Donc là on se trouve au début de la survie que vous avez pu voir. Donc qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut? Donc vous ramenez les tanks ou le buzzer, peu importe, à l'endroit de la survie. Moi je vais vous montrer où est-ce qu'il faut précisément les mettre pour être sûr de les voir spawn en mode survie. Parce qu'après ils peuvent dépop, ils peuvent despawn, il y a des chances, donc ça marche pas. Ça marche à 99%, mais des fois ils n'apparaissent pas, et si jamais ils n'apparaissent pas, ben vous n'avez plus qu'à recommencer. Donc en attendant que vous preniez les tanks, parce que comme c'est un versus, il y a deux équipes. Donc il y a une équipe qui doit prendre des tanks. Donc moi et Venger, nous avons pris des tanks, et l'autre équipe va tout simplement se charger de prendre la coke. Donc sur la mission moteur hurlant, bien évidemment, je parle pas des autres missions, mais pour cette mission, vous allez tout simplement leur demander de prendre la coke, et tout simplement d'aller à l'endroit où ils doivent la livrer, et vous attendez, et vos potes attendent tout simplement que vous placiez les tanks comme moi sur la vidéo. Donc vous devez bien les placer ici, étant donné que vous spawnez juste là-bas avec le mode survie. Et une fois que vous avez placé les tanks comme moi sur la vidéo, vous allez tout simplement demander à votre pote qui se situe à côté de l'endroit où vous devez poser la coke de le livrer. Une fois que vous l'aurez livré, vous allez voir que la partie va s'arrêter toute seule. Un message disant que vous êtes perdant va apparaître, mais vous vous en foutez, c'est pas très important. Vous allez gagner de l'argent et de l'RP, vous allez pas gagner énormément. Et après bah, vous allez voir les cinématiques, vous allez monter dans le ciel comme d'habitude, il n'y a aucun souci. Et après vous allez voir que la liste va se lancer automatiquement. Donc là vous mettez un petit j'aime, un j'aime pas ou pas de vote comme vous voulez, en espérant que ça va pas bugger. Voilà, vous mettez ça. J'étais pressé que les 4 personnes doivent rester absolument dans la partie. S'il y en a par exemple un qui bug, il risque d'y avoir des bugs. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez réapparaître sur l'épreuve de survie. Vous pouvez déjà voir que sur l'image on peut apercevoir mon tank et le tank de Venger. Vous pouvez apercevoir les deux tanks. Et après bah, vous n'avez plus qu'à lancer le mode survie. Et une fois que vous lancez le mode survie, si vous avez un casque, vous allez pouvoir entendre le moteur de vos tanks qui seront toujours spawn, qui seront toujours là sur la map. Et après bah, vous n'avez plus qu'à monter dedans et à terminer l'épreuve de survie. C'est vraiment super simple. J'ai envie de dire que c'est un peu 30 000 $ gagnés et donnés gratuitement. Parce que voilà, c'est quand même facile de gagner. Là vous avez 100% de chance de gagner avec un tank. Donc là vous pouvez voir que un seul tank a spawn. Vous voyez que ça bug de temps en temps. Là il y a un seul tank qui a spawn, donc c'est le tank de Venger. Mais il y a au moins un tank, et après bah, vous n'avez plus qu'à terminer la survie. Donc certes il y en a qui vont dire ouais mais les survies c'est facile. Mais bon, si jamais vous mourrez, bah, vous allez sûrement pas gagner jusqu'à, vous allez pas aller jusqu'à la vague 10. Alors que là avec un tank en sécurité, vous avez au moins 99, bah, vous avez même 100% de chance de terminer le mode survie et au moins d'empocher 4000 RP et 30 000 $. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter, ça me ferait énormément plaisir. Et nous on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, ciao bébé tout le monde. Dernière petite chose que j'ai dû oublier, si jamais vous voulez enchaîner les modes survie avec un seul tank sans forcément refaire la mission moteur hurlant, à la fin d'une vague, à la fin d'une épreuve de survie, une fois que vous l'avez terminé en entière, vous n'aurez plus qu'à placer le tank encore une fois au même endroit qu'au début de la manipulation, et après bah, quand vous allez relancer, le tank sera toujours là. Donc voilà, dernière petite information. Allez, ciao bébé tout le monde.